Mettre ses sens à l'épreuve pour améliorer la pratique du sport chez les jeunes en situation de handicap. Éducateurs et professeurs de PS acceptent volontiers. Slalom en fauteuil, pétanque assise, c'est si football. Ces activités, une invitation à s'amuser, mais il s'agit avant tout d'une formation. On essaye de se mettre à la place d'élèves qui sont handicapés, qui peuvent être obligés d'être en fauteuil ou qui sont aveugles. Donc dans ce cas, on met un masque pour se mettre à la place. C'est un peu compliqué vu qu'on a le masque, on voit rien. On se met à la place de la personne qui est en situation de handicap et c'est pas facile. Favoriser les rencontres entre professionnels, c'est ici mutualiser les compétences. L'objectif, vulgariser la pratique du sport sans discrimination. Le but, c'est de proposer ces activités-là à des jeunes avec handicap, autant avec des jeunes sans handicap, donc ordinaires et valides, et de proposer des pratiques sportives partagées entre ces deux publics. Cette formation, une graine semée pour ses organisateurs, ils espèrent qu'elle donnera naissance à d'autres initiatives. L'idée, c'est bien évidemment en fait, de former en fait, les professionnels sur différentes activités sportives et par ailleurs permettre à ce que ces professionnels refassent en, fait, en tout cas derrière les activités au sein des établissements, mais aussi au sein de, voilà, quoi, des différents établissements de l'éducation nationale. Je trouve que c'est très riche de faire intervenir des élèves comme les miens, qui sont en option EPS, et de les faire intervenir sur, avec d'autres, des enfants handicapés sur des événements qu'on va créer, qu'on va construire ensemble. Changer la perception de la jeune génération sur le handicap, c'est la démarche portée par cette formation, le sport étant le meilleur prétexte pour briser les barrières.